Waouh. Alors j'étais tranquillement à l'arrière dans l'adoration, la louange. Tout à coup, j'ai vu Blaise se lever. Je me dis, ouh, peut-être que les choses avancent plus vite. Quel magnifique temps et quel privilège. Quel immense privilège d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est un bonheur de venir ici. Probablement, on a eu l'occasion avec mon épouse Sabrine d'y venir 4-5 fois depuis le début, peut-être 6, je ne sais pas. Mais à chaque fois, c'est un privilège pour nous d'être ici dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et j'aime vraiment ce projet, cette église City Life. Et vous savez, moi, ce qui m'impressionne en arrivant ici dans un cinéma, c'est tout de suite de sentir la présence de Dieu. Amen. Quand vous ouvrez vos yeux sur les affichages, toutes sortes de films sont présentés, actuels, futurs ou passés. Et vous avez des illustrations qui peuvent être plutôt édifiantes, inspirantes ou à l'inverse. Et je réalisais une chose, c'est que c'est ce qui est en nous qui compte. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur de nous, comme dit Jésus. Ce n'est pas une image qui va nous empêcher d'adorer le Seigneur. Et il y a des chrétiens très puristes qui ne viendraient pas, qui auraient beaucoup de difficultés à imaginer l'Église dans un endroit comme celui-ci. Et pourtant, à chaque fois qu'on vient, la présence de Dieu est là, parce que Dieu aime être là. Il aime toucher les cités, il aime toucher les villes, il aime toucher les endroits, pas seulement le sommet des montagnes. Oui, bien sûr, Dieu est au sommet des montagnes, mais il est aussi au cœur des villes. Amen. Amen, et c'est un privilège vraiment d'être devant le Seigneur. Alors, on m'a demandé de parler de la fin des temps. Et le message ce matin, c'est très simple, la question. La réponse l'est un peu moins. La question, c'est sommes-nous à la fin des temps ? Sommes-nous à la fin des temps ? Et j'aimerais lire avec vous, pour commencer en introduction, quelques versets dans Ésaïe 60. Des versets qui ont touché mon cœur ces derniers temps. D'ailleurs, tout le livre d'Ésaïe, je le relis, c'est la deuxième fois à la suite. Et je me laisse imprégner par ces paroles prophétiques du prophète Ésaïe. Et Ésaïe nous dit, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à clarté de ton aurore. » Et ça, c'est le cadre dans lequel j'aimerais parler ce matin. Cet encouragement à nous lever parce que la lumière de Dieu arrive, la gloire de l'Éternel arrive, se lève sur nous, elle brille dans un monde entouré de ténèbres, oui. Et si nous approchons de la fin des temps, si effectivement les ténèbres augmentent, la première réponse que Dieu nous donne, c'est que la lumière de Dieu augmente aussi. C'est que sa lumière, sa gloire vienne. Et c'est mon expérience personnelle. C'est un encouragement que nous vivons. Les temps de pandémie nous ont beaucoup bousculés. Maintenant, cette guerre en Ukraine aussi, qui est plus à la porte de l'Europe, mais en Europe. Nous sommes bousculés. Mais nous voyons des choses incroyables se passer. Pour nous, Centre de Vie à Neuchâtel, on a eu le privilège d'avoir plusieurs baptêmes, en janvier déjà, et puis il y a 2 semaines aussi, de nouveau 7 autres baptêmes, et puis 12 d'autres qui sont prévus pour le mois d'août, voire plus. C'est impressionnant. Et ce qui m'a surtout touché, encore dans les témoignages entendus, c'est la clarté des conversions. Et 2 jeunes filles qui nous disaient, dans leur témoignage, il y a 2 semaines, qu'elles ont rencontré Dieu alors que, comment dire, c'est Dieu qui les a rencontrées. Avant même, elles n'étaient pas de famille chrétienne. Elles n'étaient pas en contact avec des chrétiens. Mais simplement, à un moment donné, l'une d'entre elles dit, « Lors du décès de mon parrain, Dieu s'est révélé à moi. » Elle avait eu quelques vagues connaissances catholiques de son enfance, mais ses parents n'allaient jamais à l'église, par exemple. Mais à un moment donné, on ne sait pas trop comment, mais Dieu s'est révélé à elle. Et puis ensuite, dans sa classe, à l'école où elle était, dans sa formation, elle rencontre un chrétien de suite. Par la suite, après, elle a rejoint petit à petit l'église. Elle a décidé de se faire baptiser. Une autre aussi, elle dit, ma famille n'est pas du tout chrétienne. Ses parents étaient là pour son baptême, d'ailleurs, étaient touchés, vraiment touchés de ce qui arrive dans sa vie. Elle dit, elle est relativement jeune, mais elle a fait la fête, elle est sortie, elle a un peu tout expérimenté, tout essayé. Puis à un moment donné, elle dit, Dieu m'a touché. Elle suivait une série, elle est tombée sur une série Netflix, je ne sais pas laquelle, une série chrétienne, dit-elle, et puis Dieu l'a touchée.
Et Dieu touche. Et puis alors elle aussi, elle a tout à coup rencontré une camarade de classe qui l'a invitée à venir, un groupe de jeunes, à venir à l'église, à être touchée par Dieu. Et on est stupéfait de voir ce que Dieu fait. Mais on est aussi tellement encouragé par des chrétiens et des chrétiennes, en particulier des jeunes, qui sont juste clairs pour le Seigneur. Et c'est comme si un des effets, un des résultats, un des fruits des deux années passées était une radicalité, une clarté pour Dieu plus grande qu'avant. Et je pense que vous aussi, vous le vivez et vous êtes aussi encouragé. Alors, c'est une promesse puissante au milieu des temps d'obscurité. C'est le cadre de mon propos ce matin. Il y a un temps pour les nations. Et ce temps passe par le peuple de Dieu qui rayonne de la lumière du Seigneur. Amen. Dimanche dernier, on a eu le privilège, en dernière minute, on l'a décidé deux semaines avant, il y a deux semaines, d'accueillir comme orateur un rabbin qui est pasteur de la plus grande église messianique au monde. La plus grande église messianique, c'est-à-dire des juifs qui ont accepté la nouvelle alliance, des juifs qui ont accepté le Messie, qui se réunissent le samedi. Et cette église compte 2000 personnes, dont la moitié sont des juifs messianiques. Cette église, elle est située à Kiev. Et c'est la première fois depuis le début de la guerre qu'il sortait du pays. Sa femme est réfugiée en Suisse, et lui, c'est la première fois après 3 ou 4 mois de guerre, qu'il était à l'extérieur du pays, en l'occurrence en Suisse. Et il nous partageait les choses suivantes. C'était vraiment particulièrement touchant. Ils avaient prévu un culte, comme nous ce matin, qui, hasard du calendrier, ils se réunissent le sabbat, le samedi, c'était le 3e jour de la guerre, de l'attaque russe contre l'Ukraine, en mars. Et là, interdiction. Enfin, tout est bloqué dans la ville de Kiev, en particulier les ponts qui permettent de traverser le Dniepr. Les ponts étaient fermés avec interdiction formelle de se déplacer, enfin, très compliqué. Et là, lui, il est là, il se dit, mais qu'est-ce que... Ils ont la conviction de se réunir néanmoins. Ils ont la conviction que c'est indispensable de garder le témoignage allumé, de garder la flamme allumée, et ils décident de se réunir. Et les ponts sont infranchissables parce que partout, ils sont sous surveillance militaire. Les Ukrainiens craignent, évidemment, c'est le début, hein, vous vous rappelez, les chars qui arrivent sur Kiev à ce moment-là. Et ils réussissent à trouver un pont quand même qui est encore ouvert. Et puis, ils se rendent à l'église. Et là, il y a 50 responsables, 50 pasteurs qui sont là et quelques autres personnes de l'église. Évidemment, pas les 2000. Mais ce noyau est là, fidèle. Et une dame âgée est là, elle dit, moi, je suis venue. Je suis venue t'encourager, pasteur. Et je me suis dit, ils auraient pu se réunir sur Zoom. Ils pouvaient se réunir sur Skype, sur WhatsApp. Tout était possible, comme pendant la pandémie. Mais ils ont décidé d'être là. Et ça a touché mon cœur. Sur l'importance spirituelle de se réunir physiquement. Amen. Dieu a donné des outils qui nous permettent par moment, de ne pas nous réunir, de trouver des solutions. Et tant mieux pour ceux qui sont chrétiens emprisonnés, pour ceux qui sont chrétiens malades à l'hôpital, pour ceux qui sont isolés. Mais quand on n'est pas isolé, le Seigneur nous appelle à nous réunir. Et il ajoutait que pendant la période de la pandémie, et dans ces pays à l'Est, rien n'est aussi simple que chez nous, Dieu les a préservés. Il n'y a eu aucune personne décédée dans leur église due à la pandémie. Dû au Covid sur les 2000. Dieu les a protégés. Il nous parlait de la protection divine. Sauf une personne qui était toxicomane, qui n'avait plus de système immunitaire. Et les médecins, il y a une vingtaine d'années déjà, lui avaient dit qu'elle allait mourir. Elle avait eu comme un prolongement de sa vie. Et puis elle s'en est allée. Mais sinon, aucun décès. Et puis après, il nous parlait aussi que la bénédiction de Dieu, la protection divine est sur eux. Et par exemple, une maman se réunit avec des amis, avec des sœurs, pour prier pour son fils, qui n'est pas vraiment croyant, qui est soldat. Et Boris nous raconte comment il était là, les Russes étaient en face, et ça tirait dans tous les sens, les balles sifflaient de tous les côtés, et les uns après les autres, les soldats tombaient. Et je fais court l'histoire, mais à un moment donné, il a senti comme une protection autour de lui. Et ses camarades non-croyants aussi, se sont rapprochés de lui et le suivaient partout où il était parce qu'ils ont senti qu'il y avait une protection surnaturelle. Une protection surnaturelle.
Et le Seigneur, à travers cet homme, nous parlait, séparé de son épouse pendant plusieurs mois, vu qu'elle est en Suisse, comme beaucoup d'autres Ukrainiens qui sont en Occident, ou Ukrainiennes, et lui qui reste fidèle au Seigneur. Un témoignage puissant, extraordinaire. Il nous le dit aussi, les Juifs de Russie, qui fuient actuellement la Russie ou d'Ukraine, ont une ouverture spirituelle comme jamais. Mais c'est à travers le corps de Christ que ces gens-là vont rencontrer le Seigneur. Il nous exhortait, il disait, c'est à travers vous. C'est à travers le corps de Christ dans son ensemble que ce réveil vient. Et il annonce un grand réveil spirituel, notamment de ces millions de Juifs qui vont rencontrer le Messie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 6 millions de Juifs en Israël. Israël est plus grand, mais 6 millions de Juifs. Mais il y a aussi 6 millions de Juifs ailleurs dans le monde. Mais Dieu produit quelque chose de puissant. Beaucoup de chrétiens parlent de la fin des temps. Beaucoup sont convaincus que nous sommes à la fin des temps. Et je leur disais pendant la pandémie, oui, nous sommes à la fin des temps. Mais la question est, est-ce que nous sommes au début de la fin des temps ou à la fin de la fin des temps? Et un verset que j'aimerais lire à la suite, tout s'est fait, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà une première mention qui me fait dire, oui, nous sommes à la fin des temps, oui. Et encore un autre verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les temps derniers, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. On a donc des paroles de Jésus, on a des versets bibliques qui nous disent qu'on est à la fin des temps, et puis d'autres qui nous annoncent la fin des temps. Futur. On a donc la double réalité d'être déjà à la fin des temps depuis que Jésus est là. Mais en même temps, cette fin des temps, elle n'est pas complète. Et donc c'est très difficile de répondre, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Pour vous qui avez grandi peut-être dans une famille chrétienne, pour ceux d'entre nous qui ont un certain nombre d'années ou de décennies derrière eux, ça fait depuis que vous êtes chrétien que vous entendez parler de la fin des temps. Moi, ça a été mon cas. Et on annonçait la fin des temps, on nous annonçait le retour du Seigneur, on nous annonçait, mettons par exemple pour l'an 2000. Mais croyez-moi aussi, en l'an 1000, ce n'était pas plus drôle. Et il y avait aussi une frénésie. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Que faut-il penser? J'aimerais donner 4 éléments qui sont très intéressants. La première chose, c'est que les événements du monde n'ont jamais été aussi interconnectés qu'aujourd'hui. Non seulement l'information est instantanée, mais les répercussions d'un événement dans un pays sont ultra rapides. La globalisation est incontestable, comme on l'a vu avec la pandémie, mais pas seulement. Vous avez un blocage en Chine, dans un port de Chine que personne ne connaît ici, et ça bloque l'ensemble de la planète du point de vue, par exemple, des circuits intégrés. Et tout est freiné par des répercussions, des effets dominos jusque dans l'industrie automobile qui ne peut plus livrer à temps et tout est bousculé. La globalisation est une réalité. La globalisation est une réalité et toutes les prophéties bibliques vont dans ce sens d'une globalisation des choses, à la fois dans le meilleur et à la fois dans le pire, à la fois dans la croissance des ténèbres et à la fois dans la révélation de Jésus, dans la révélation de la gloire de Dieu, dans Ésaïe, via Jérusalem et Israël. Deuxièmement, ce que je constate aussi, c'est que l'État d'Israël est né en 1948 dans des circonstances étonnantes, comme vous le savez, parce qu'aucun peuple de la planète n'est jamais rené de cette façon-là, avec une langue ressuscitée, l'hébreu. Un État qui est créé alors que la moitié de la population juive mondiale de l'époque a péri, exterminée dans la Shoah. Le plus grand génocide de l'histoire humaine. Le plus grand génocide de l'histoire humaine. Et voilà que ce pays naît. Sauf que ce pays n'est pas né comme ça par hasard. Et j'ai découvert une chose, c'est qu'à travers les siècles, en particulier depuis la Réforme, mais par exemple, un prédicateur connu par les historiens,
pas par nous, mais par les historiens, Richard Baxter, au XVIIe siècle, interprète les prophéties de l'Ancien Testament et commence à prédire une conversion massive des Juifs. Une conversion massive des Juifs et leur restauration en Israël, au XVIIe siècle. Et après lui, et c'est un homme de réveil, c'est un homme vraiment un prédicateur connu dans le monde anglo-saxon jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà qu'un autre, on est maintenant au XIXe siècle, William Eschler, un Allemand, avec des origines britanniques. Lui aussi, il va proposer son aide à Theodor Herzl. Theodor Herzl, c'est un homme qui va écrire, un juif qui va écrire l'État juif. Un ouvrage avec l'idée sioniste, avec l'idée d'un retour aussi des juifs en Israël. Et voilà que cet homme, ce chrétien, va utiliser son réseau politique international pour le soutenir, avec notamment le duc de Bade, avec l'empereur allemand et le politicien britannique Arthur Balfour. Et il écrit selon la Bible, donc on est au 19e siècle, en 1896, selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide à ce mouvement en tant que chrétien pleinement convaincu de la vérité de la Bible. Et on découvre historiquement que ces chrétiens viennent comme réveiller les Juifs de l'époque qui n'y croient pas vraiment. Pour eux, ce n'est pas une réalité qu'ils peuvent s'approprier. Et c'est grâce à des chrétiens réveillés qui vivent le réveil, qui vivent vraiment une vie avec Dieu, qui redécouvrent les Écritures, qui lisent la Bible, qu'on assiste à une accélération de ce mouvement sioniste. En Suisse, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, des conventions de Genève aussi, lui qui en fait va constituer quelque chose qu'on ignore, la Société nationale universelle pour le renouvellement de l'Orient. Et il lance un appel suggérant que les colonies juives naissantes en Palestine soient déclarées diplomatiquement neutres, comme la Suisse. Et il entre en contact avec Napoléon III et ainsi de suite, avec Theodor Herzl aussi. Il va être invité à cette grande rencontre à Bâle, le premier congrès juif mondial. Et en fait, il va soutenir aussi ce mouvement qui donnera naissance à l'État d'Israël, Henri Dunant. Un homme de Dieu, un chrétien évangélique, cofondateur de l'Alliance évangélique à Genève, et qui a une perspective spirituelle pour la fin des temps, et surtout dans l'idée que ces Juifs devront retourner dans leur terre. Donc voilà quelque chose qui s'est passé. Et donc, quand nous sommes chrétiens, entourés de chrétiens, vous-même, qui croyez à la fin des temps, il y a quelque chose de juste. La question, c'est que d'avoir des convictions ne suffit pas. Parce que vous avez à la même époque des chrétiens qui vont s'isoler, des chrétiens qui vont prôner le repli, des chrétiens aussi qui vont annoncer le retour rapide de Jésus, comme les adventistes, comme d'autres groupes, qui vont glisser dans des courants sectaires. Ce n'est pas facile. Autrement dit, d'avoir une conviction que nous sommes à la fin des temps ne nous donne pas encore la juste interprétation comment le vivre. Et c'est pour ça que nous avons absolument besoin de ne pas nous isoler, mais de rester clairs dans le corps de Christ et d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. J'ai lu et relu récemment, j'ai été intrigué depuis l'invasion de l'Ukraine par des textes bibliques dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38, au chapitre 39. C'est la fin du livre d'Ézéchiel avant la révélation sur le nouveau temple, la reconstruction du temple. Et il est parlé de Gog et Magog, par exemple. Et dans le chapitre 39, verset 1, là j'affiche pas le verset, mais je le lis simplement. « Quant à toi, fils d'homme, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai venir de l'extrême nord et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Je fracasserai l'arc qui est dans ta main gauche et je ferai tomber les flèches qui sont dans ta main droite. » Et ainsi de suite. « J'enverrai le feu sur Magog. » Chapitre 38, verset 1, donc un chapitre avant, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal, je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires, je te ferai sortir et toute ton armée, etc. etc. » Et
Je ne peux pas entrer dans les détails de ces chapitres, mais j'ai découvert une chose, c'est qu'on a un historien qui s'appelle Flavius Joseph, il y a 2000 ans, un juif, qui nous explique qui sont ces peuples. Une partie de ces peuples, dans nos traductions françaises actuelles, sont traduits. Et puis d'autres, c'est resté dans la langue originale. Et parfois, ce n'est pas tout simple de s'y retrouver. Alors, je vous donne quelques explications. À chaque fois que la Bible parle de la Perse, là, c'est facile, il s'agit de l'Iran. La Perse, c'est l'Iran. Kush, l'Éthiopie. L'Éthiopie, en Afrique. On a aussi, par exemple, Put, P-O-T-H, c'est la Libye, et ainsi de suite. Et là, dans vos commentaires bibliques, quand vous avez un petit astérix, vous lisez en bas une note de bas de page, on vous explique ça. Et chacun des peuples, vous les retrouvez, vous retrouvez les territoires aujourd'hui. Vous avez par exemple aussi Babylone. Babylone correspond à l'Irak. Babylone, c'est la région de l'Irak. Les Perses, c'est la région d'Iran. Et Saddam Hussein avait pour projet de rebâtir l'ancienne Babylone. Or, les prophéties de l'Ancien Testament déclarent que cette ville ne serait pas rebâtie, qu'elle serait détruite, et personne ne la rebâtirait. Il n'a pas réussi à la rebâtir. Encore aujourd'hui, vous avez les ruines comme autrefois. Les prophéties bibliques se sont simplement réalisées, comme d'autres villes qui n'ont pas été rebâties. Et puis, vous avez aussi les Mèdes. Vous avez entendu, si vous lisez la Bible aussi, il est parlé des Mèdes et des Perses. Vous avez d'abord les Assyriens, ensuite les Babyloniens, finalement les Mèdes et les Perses qui vont permettre aux Juifs de retourner dans leur terre après 70 ans de captivité, avec le roi Cyrus, par exemple. Les Mèdes, qui sont les Mèdes? J'ai découvert, il suffit d'aller sur Wikipédia, c'est pas compliqué, les Mèdes sont les Kurdes d'aujourd'hui. Et quand Jonas, le prophète, est envoyé, appelé à la repentance, les habitants de Ninive, Ninive est la capitale des Mèdes. Et là aussi, courte recherche, vous pouvez vérifier, Ninive, aujourd'hui, c'est Mossoul. Et vous avez tous entendu parler, si vous suivez un peu les informations, de Mossoul et des Kurdes d'aujourd'hui. Et à Mossoul, vous avez un endroit où vous avez conservé depuis 2500 ans le tombeau de Jonas. Et ils sont fiers d'avoir le tombeau de Jonas. Et je pense que historiquement, c'est fiable. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que les prophéties bibliques renvoient à la fois au passé, au présent et au futur. Et quand il est parlé de ces peuples, quand il est parlé de ces nations, il y a un lien direct. Et Joseph, Flavius Joseph, cet historien juif, nous explique que ces noms que je viens de lire, Gog, le roi de Magog, de Méchec, de Toubal, il nous montre qu'il faut revenir à Genèse 10. Et à Genèse 10, on a la table des nations. Alors, on peut peut-être l'afficher. Alors, ce n'est pas un cours biblique théologique, hein, c'est juste des petites piques, des petites pointes que je vous donne. On va prendre plutôt le suivant. Puis on reviendra sur celui-là après. Voilà, peut-être encore. Il y a encore une autre image avant. Il y a encore une autre carte. Voilà. Et il nous explique que, dans un premier temps, et ce n'est pas que lui, parce que ces cartes, voilà, il suffit de faire un peu d'histoire, on voit qu'on a, dans la Turquie actuelle, les noms qui apparaissent, Magog, Gomer, Togarma, et ainsi de suite. Et puis, je vous ai dit Put, en bas, en Libye, Kush, l'Éthiopie, et ainsi de suite. Maintenant, on peut revenir sur l'autre slide. Et, en fait, on voit que, et c'est là que ça se complique un peu, mais qu'en apparence, ces peuples qui sont mentionnés, il y a une probabilité que ce Méchec, mais aussi déjà Magog, c'est sûr, c'est au nord d'Israël, c'est au nord de Jérusalem, et même bien éloigné. Et certains supposent que Méchec correspond à Moscou. Alors non seulement du point de vue étymologique, mais aussi du point de vue historique. Donc bien au nord de Jérusalem. Certains ont déjà entendu ça. Et là, ça devient très intéressant,
Parce que ces différents peuples, en fait, si on veut, ces peuples qui sont décrits dans, ici, Ézéchiel 38 et 39, correspondent aux sites. Pour Flavius Joseph, si vous voulez, on a ici tout simplement les sites. Les sites qui, en fait, couvrent une immense partie de l'époque, jusqu'en Chine. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que... Il faut juste que je retrouve mes bonnes notes dans le bon sens, pour ne pas vous dire des... Ça veut dire que ces peuples qui sont annoncés, ces peuples de Magog, sont en réalité, d'après l'historien Joseph, les Scythes, pas les Chites, les Scythes. Et donc les Scythes, c'est toute cette partie orange qui va de l'Europe jusqu'en Chine. Voilà les Scythia. Vous voyez, c'est écrit en anglais. Scythia, Scythian Territorial Expanse. Et donc on voit, avant l'époque romaine, l'immensité de ce peuple. Et Flavius Joseph nous dit, eh bien ces Scythes, c'est Magog. Alors quand Ézéchiel nous parle de Magog, puis qu'on lit Magog, ben ça peut au minimum correspondre à cette région. Et c'est pour ça que dans ma Bible, second 21, dans la plus grosse, pas celle-ci, à 2,50 francs, il y a une note en bas de page et qui dit, puis là j'étais stupéfait, mais si vous l'avez, la Bible second 21, c'est celle habituellement qu'on utilise, et que vous l'avez la plus épaisse avec les notes, vous trouvez le mot Ukraine. Et ça, ça a été noté pas maintenant, depuis quelques années déjà. Et donc, mon hypothèse, c'est que probablement que dans la pensée biblique, mais je ne vais pas m'avancer plus en avant, parce qu'on peut dire beaucoup de choses justes ou pas justes, c'est quand même compliqué. Mais j'ai mon sentiment, après avoir réfléchi, avoir lu beaucoup de choses, avoir développé aussi une certaine prudence, c'est que d'après les prophéties bibliques, il y a ce royaume du Nord, jusqu'à Méchec, peut-être Moscou, qui correspond au site d'autrefois, Magog, qui a un but, Jérusalem. Et c'est quand même intéressant que Poutine est fort présent en Syrie. Et là, il y a l'idée d'annexer l'Ukraine. Mon sentiment, mais là, ça n'engage que moi, je ne pense pas que Poutine ait l'intention d'envahir le monde occidental. Mais ce qu'il veut, c'est arriver au sud. Et pour ça, il faut une partie de l'Ukraine ou l'Ukraine, et ça correspond aux prophéties bibliques. Alors que l'Europe, de son côté, correspond davantage à la prophétie de Daniel. Vous savez, cette statue qui est dans le livre de Daniel, enfin, c'est une prophétie, c'est un songe que le roi Nabucodonosor avait eu, et qui correspond, alors là, tout le monde est d'accord, à la succession des empires assyriens, babyloniens, mèdes et perses, romains. Et les Romains, avec la résurgence aussi d'une Europe unie. Et donc, je peux m'imaginer qu'il y a en parallèle à la fois l'Occident qui va continuer à jouer un rôle avec l'Europe comme centre, peut-être les États-Unis, je ne sais pas exactement, mais aussi ce royaume du Nord qui vise Jérusalem. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train de se passer avec des peuples dont on recommence à comprendre le sens. Alors, certains me diront, mais alors que faire? Que penser? La première chose que j'aimerais dire, c'est que cet empire romain, cet ancien empire romain qui renaît du côté de l'Europe, dont la Suisse ne fait pas partie, tant mieux, mais réalisons que Jésus en faisait partie. Quand Jésus est venu, il était dans l'empire romain. Il était juif, il était en Palestine. Mais ils étaient sous le joug de l'Empire romain. Tous les premiers chrétiens, la première église était au cœur de l'Empire romain. Et quel était l'Empire romain? C'était une dictature. Jules César a été nommé par le Sénat dictateur. C'était le premier dictateur. Et après Jules César, les empereurs qui suivent sont des dictateurs qui imposent un dictat. Des dictateurs plus ou moins humains, plus ou moins violents. Selon les époques, selon les dictateurs en place. Pensez à Néron qui a persécuté les chrétiens. Mais on doit réaliser que la première église, la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit, cet immense réveil qui va se déployer,
se déroule au milieu de l'Empire romain. Et que Dieu a utilisé ces circonstances pour propager l'Évangile au milieu d'un empire romain qui offrait à la fois des possibilités et la persécution. À la fois une certaine liberté de religion, mais en même temps un contrôle sévère dont les Juifs auraient voulu se débarrasser. Vous connaissez ces histoires dans le Nouveau Testament. Et ça n'a pas empêché le Seigneur de venir. Ça n'a pas empêché notre Dieu Tout-Puissant d'agir au milieu de l'Empire romain. Donc ça n'empêchera pas le Seigneur d'agir aujourd'hui en Europe, aujourd'hui en Russie, aujourd'hui en Ukraine, aujourd'hui en Palestine, aujourd'hui en Syrie, aujourd'hui en Israël. La question est que la lumière à travers son peuple veut se répandre aujourd'hui. Amen. Mais vous auriez pu dire c'est l'Empire romain, prophétie de Daniel qui se réalise. Alors restons chez soi, restons à la maison. Et non, les premiers chrétiens, conscients des prophéties bibliques, prenez Jean, l'Apocalypse, n'ont cessé d'annoncer l'Évangile, d'implanter des églises, de former des disciples et de croire en l'avancement du règne de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus aura pu dire « Le royaume de Dieu est parmi vous », on peut traduire aussi « Le royaume de Dieu est en vous ». Alors qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui pour terminer ? Parce qu'on doit arriver à une fin quand même, pas la fin des temps, mais la fin du message. Ma conviction, c'est oui, nous percevons quelque chose de la fin des temps. La première chose que Dieu nous appelle à vivre, ça vous le savez, et vous ne seriez pas là aujourd'hui si ce n'était pas le cas, c'est une consécration totale à lui. C'est une consécration absolue, totale à lui, et cet homme, ce Boris Grishenko, m'a vraiment encouragé. Vous savez, la consécration totale, c'est prendre du temps dans la présence de Dieu, c'est lire sa parole. Oui, tout ça, c'est juste et c'est fondamental. Mais c'est aussi des décisions à prendre à certains moments. Et ça bascule d'un côté ou de l'autre. Tu entends un frère, une sœur qui critique. Tu entends quelqu'un qui pousse à la division. Tu entends quelqu'un ici ou ailleurs. Mais la consécration au Seigneur, ça se joue sur des attitudes à adopter à certains moments donnés. Parce que ce Boris Grishenko qui tremblait, il nous l'a dit, d'aller à l'église ce jour-là. Il pouvait ne pas le faire. Beaucoup de choses, il aurait pu ne pas le faire. Mais à un moment donné, la bénédiction divine va dépendre de choix que tu fais, d'attitude intérieure. Ou en écoutant le Saint-Esprit, tu vas prendre les bonnes décisions. Consécration totale. Écoute de Dieu et de ses directives. C'est tellement important d'écouter le Seigneur. Il y a un courant dans le sens qui est fort. Écoute le Seigneur. Mais en même temps, moi, je ne peux pas écouter le Seigneur si je ne suis pas dans la famille de Dieu. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes frères et sœurs en Christ, j'ai besoin de pasteurs, j'ai besoin de ministères apostoliques qui écoutent le Seigneur avec moi. À la fin, c'est ma décision. Mais aujourd'hui, on voit émerger un pseudo-peuple chrétien interconnecté uniquement via Internet. Et des chrétiens qui nous disent « Je peux vivre ma foi à la maison ». Oui, c'est fondamental de vivre sa foi à la maison, c'est même le cœur de la foi. C'est d'abord chez soi. Mais jamais Dieu n'a prévu que l'Église ne soit qu'à la maison. D'ailleurs, aux Corinthiens, il leur dit « Mangez d'abord dans vos maisons avant de vous réunir. » Il fait la différence entre la maison et la réunion. Et la réunion de l'Église peut bien sûr se passer dans une maison. Mais il y a une confusion qui s'est installée. Ma famille n'est pas l'Église. Ma famille fait partie de l'Église. Mais ce n'est pas encore l'Église. Quelqu'un me disait « Oui, là où deux ou trois se réunissent, Jésus est là. » J'ai dit « Oui, mais ce n'est pas encore l'Église. » C'est quelque chose l'Église. L'Église, c'est plus. Ce n'est pas seulement ce verset, c'est tout le Nouveau Testament. Alors j'aimerais vous encourager à faire partie de la famille de Dieu. Plus que jamais. Ce n'est pas la famille de Dieu qui va vous poser des problèmes à terme. À court terme, oui. On est blessé, on est affecté, on est touché. Mais à long terme, c'est la clé du Seigneur. Parce que Dieu utilise cette famille de Dieu pour nous transformer. Parce que nous allons au-devant de temps difficiles, mais au-devant de temps d'onction de Dieu comme jamais. Je perçois ça, on voit des signes de l'onction de Dieu. Mais cette onction, elle ne va pas être individuelle uniquement. Elle va être décuplée parce que tu es connecté à d'autres qui ne pensent pas comme toi, mais qui sont dans le même flot, qui ne pensent pas forcément comme toi, mais qui sont dans le flot du Saint-Esprit. Je sens ça très fort. Et il y a un appel de Dieu qui dépasse. Alors la pandémie a tout mis en dessus-dessous. On s'est posé beaucoup de questions, mais Seigneur, moi le premier, est-ce que l'Église, comme on la vivait, c'est encore juste? Et c'est comme si le Seigneur m'avait répondu, oui, c'est encore juste, mais inverse l'ordre des priorités. La première priorité, c'est l'adoration du Seigneur, c'est sa gloire.
toujours. Mais après, oui, nous avons besoin de certaines structures. Nous avons besoin de projets d'évangélisation. Nous avons besoin d'événements. Et nous avons besoin d'une sono qui fonctionne, oui. Oui, on a besoin de cela. Et certains chrétiens nous diront, oui, mais on peut s'en passer. Dieu nous donne des outils, des instruments pour que nous les utilisions pour son royaume. Des musiciens qualifiés, des prédicateurs expérimentés, des dons faits à l'église. Mais ça vient en second après la gloire de Dieu. S'il n'y avait pas eu de son ce matin, on aurait pu louer Dieu aussi. On aurait pu l'adorer aussi parce qu'il y avait un souci avec la sono. On aurait pu l'adorer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre sans. Vous me comprenez ? On apprend à vivre en toutes circonstances, comme l'apôtre Paul, comme Boris Krychenko qui était là la semaine passée. On apprend à vivre dans toutes les circonstances. Mais on utilise les moyens que Dieu nous donne, nos finances, nos biens, notre temps, pour sa gloire, parce que ça compte pour lui. Et nous voulons lui offrir des holocaustes d'adoration qui sentent bon, qui sont justes, qui sont authentiques, qui sont vrais. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin. Seigneur, je pense que nous vivons effectivement une période décisive de l'histoire. Mais j'aimerais t'inviter, Seigneur, à nous montrer que nous avons un rôle à jouer, qui est magnifique et impressionnant. J'aimerais vous inviter un instant à vous lever, ceux qui peuvent le faire, qui ont envie de le faire. Et peut-être qu'on peut avoir un tout petit peu de lumière dans la salle pour mieux vous apercevoir. Ah oui. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta présence et j'aimerais vous inviter à laisser le Saint-Esprit venir encore. C'est une façon de parler parce qu'il est déjà là, mais l'onction de Dieu se manifeste de différentes manières lors d'une célébration. Viens, Esprit de Dieu. Oh, j'aimerais vous inviter à commencer à prier en langue, à adorer dans votre langue, à louer le Seigneur, à t'approcher de lui. Oh, souffle de Dieu, viens rafraîchir. Viens rafraîchir les bien-aimés. Encouragez tes enfants, m'encouragez, nous encourager, nous fortifier, nous parler. Oh, tu as déjà parlé, tu viens, Saint-Esprit. Oh, chante ton Dieu, lève tes mains, ouvre tes mains. Il n'y a pas besoin de chanter juste. D'ailleurs, je ne sais pas en langue comment on chante juste ou faux, mais chantez le Seigneur, adorez. N'ayez pas de gêne. Oh, la bacaliando. Oh, la yoko. Laissez l'Esprit de Dieu venir. Chante ton Dieu. Adorez le Seigneur. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. N'est-il pas le Dieu de gloire? N'est-il pas le Tout-Puissant qui reviendra? Sa loi n'est-elle pas venue de Jérusalem? Sa lumière ne vient-elle pas de son épouse? Seigneur. Oh, louez le Seigneur. Oh, louez le Seigneur ce matin. Ne sois pas timide. Continuez d'adorer, continuez de louer, continue de louer ton Dieu. Oh, viens Esprit de Dieu. Oh, la mayo, oh, la yo.
Jésus, nous prenons autorité contre toute forme d'oppression, de découragement, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun droit ici, maintenant tu sors. Je prends autorité contre tout esprit de rejet également, contre les traits enflammés de l'ennemi. Nous brisons les flèches de l'ennemi. Nous brisons le joug étranger. Nous brisons les oppressions qui t'ont agressé ces derniers temps. Nous brisons ça maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous libérons l'âme pour adorer Dieu. Plus de toi, Jésus, plus de toi, Seigneur. Plus, Seigneur Jésus, ta gloire, ton règne. Feu de Dieu.